Allez, parti pour les 2950 mètres du prix de l'espace commercial des Halles. Pour retrouver bien parti, pleine piste, rapace d'Eaufort à son extérieur, régisseur. Et pour aller aborder le premier tournant, régisseur vient s'installer au commandement, prenant ainsi l'avantage sur rapace d'Eaufort qui vient ensuite. Accompagné par Roc de Combourg, tous les trois ayant l'avantage légèrement pour sortir du tournant et venir passer devant les tribunes, notamment sur Yad de l'Estang qui vient ensuite. Le premier passage face à vous, avec des concurrents plutôt groupés, sous la conduite le long de la corde de Rapace d'Eaufort qui a très légèrement le meilleur sur Roc de Combourg, rejoint par Yad de l'Estang en dehors, régisseur qui est le long de la corde dans le dos du leader, précède rapide Delphini qui vient ensuite, lui-même étant au contact de Ronski Borealis, côté corde Résiro Josselin vient ensuite, avec encore Rial Turgot et Raphaël Debray. La sortie du tournant en direction la ligne d'en face, et après un tour maintenant, avec rapide disqualification du deux régisseurs. Direction la fin de la ligne d'en face, on va aller vers le tournant des écuries pour la deuxième fois, sous la conduite de rapide Delphini qui s'est assuré l'avantage sur Rapace d'Eaufort. Disqualification de l'As Résiro Josselin. Sortie de tournant, deuxième passage devant les tribunes, sous la seule conduite de rapide Delphini qui a mis du champ entre elle et ses poursuivants, emmené par Rapace d'Eaufort qui lui-même est suivi de tout près par Riyad de l'Estang qui précède Roc de Combourg avec encore Ronski Borealis, Raphaël Depré et Rial Turgot. Le tournant une nouvelle fois, pas de grand changement, seul au commandement rapide Delphini qui a l'avantage sur Rapace d'Eaufort qui vient ensuite avec dans son sillage Roc de Combourg. On retrouve ensuite Ronski Borealis avec également Riyad de l'Estang avec Raphaël Debray qui vient ensuite ayant l'avantage encore sur Rial Turgot. Direction la fin de la ligne d'en face, on va aller vers le tournant des écuries pour la troisième fois maintenant et le même au commandement. Rapide Delphini qui reste toujours très largement détaché de Rapace d'Eaufort qui vient ensuite alors que l'on se rapproche en dehors maintenant avec Rial Turgot et pour sortir du tournant et revenir passer face à vous une troisième fois dans quelques secondes. Rapide Delphini est seul aux commandes, Rial Turgot est venu aux côtés de Rapace d'Eaufort, Roc de Combourg et sur un troisième rideau le long de la corde, toujours accompagné par Riyad de l'Estang, précédant encore Ronski Borealis qui lui-même est au contact de Raphaël Debray. On va passer devant le poteau, direction le dernier tour pour Rapide Delphini qui va l'aborder avec un net avantage toujours sur Rapace d'Eaufort. Rial Turgot à son contact avec Roc de Combourg qui vient ensuite, précédant Raphaël Debray avec Riyad de l'Estang et Ronski Borealis. Direction la ligne d'en face pour la toute dernière fois et Rapide Delphini qui va l'aborder au commandement. Rapace d'Eaufort qui vient ensuite avec Rial Turgot à ses côtés devant Roc de Combourg qui est toujours le long de la corde et encore Raphaël Debray. On va aller vers la fin de la ligne d'en face, l'entrée du tournant final qui se profile pour Rapide Delphini qui va l'aborder avec l'avantage toujours, mais on revient dans son sillage avec Rial Turgot notamment qui ramènera Rapace d'Eaufort le long de la corde. Raphaël Debray qui se rapproche en dehors, direction la sortie du tournant final. On va venir disqualification du 8, Rapide Delphini, direction l'entrée de la ligne droite avec Rial Turgot, Raphaël Debray qui ont viré aux prises devant Rapace d'Eaufort le long de la corde. À moins de 200 mètres du but, Raphaël Debray qui a le meilleur sur Rapace d'Eaufort. Raphaël Debray qui va s'imposer, Rapace d'Eaufort sera second, la troisième place pour Roc de Combourg.